Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre campagne sur Terra Invicta, enfin, une partie sur Terra Invicta, où je joue l'initiative, où nous cherchons à profiter de l'arrivée des aliens dans notre système solaire pour s'en foutre plein les fouilles. Précédemment, nous avons coloniser Mars, ce qui est une très bonne chose. Nous sommes installés sur plusieurs bases tout à fait intéressantes dans le secteur de Mars. L'objectif, c'est d'arriver à choper un maximum de matériaux. Donc, on voit que on n'est plus les seuls à s'être réservé des spots. Ils n'en ont tous qu'un seul, et c'est nous qu'on a chopé les plus intéressants. Donc, c'est tout ce qui compte. Voilà, ça nous coûte un peu de boost, mais voilà, 0,12 d'entretien. On ne peut pas par contre encore construire de complexes miniers. Hein. On voit que pour les installer, il me faudrait 59,8 points de boost. J'en suis très très loin. Donc je ne les aurai pas du tout tout de suite. Hein. 59,8, c'est quasiment ce que je gagne en un an. Autant dire que voilà, j'y suis pas encore. Moyennant quoi, on a notre base sur la Lune, sur Zmeu 6, notre base de Zmeu 6. Hein, on a un complexe minier qui devrait terminer au 8 janvier 2026, c'est-à-dire très 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 vite. Et à partir du moment où il sera là, on va commencer à accumuler un peu de matériaux. Un peu d'eau, un peu de minerais explosifs, de matériaux explosifs, des métaux rares, des métaux de base et des matériaux fissiles. Alors on voit que notre revenu mensuel est de moins 1,8. Donc là je vais être en positif sur le lot. Par contre sur les explosifs, je vais rester en négatif. Puisque mais j'en perdrai un peu moins. Ça me coûtera un peu moins de boost parce qu'en fait, tout ce que je dois envoyer, en fait, tout ce que je ne peux pas approvisionner directement depuis l'espace doit être envoyé depuis la Terre et donc ça me coûtera du boost. Donc, on va voir hein, logiquement, je pense que ce moins 0,12 il va baisser assez rapidement dès que ça sera fini d'être construit. Voilà, sur Terre, et notre situation. On essaye, donc on a réussi à équilibrer nos gains en influence à force d'augmenter notre cap, notre limite de points de contrôle. Au niveau de la recherche, on est sur amélioration de la gestion. Au 14 mai, on va pouvoir débloquer, ça va augmenter notre capacité de gestion de 5. C'est pas ouf, c'est même vraiment pas ouf, mais bon, ce sera toujours ça de prix. Ça nous permettra de revenir un peu dans le positif. On est encore loin de pouvoir prétendre à choper le cinquième point, c'est bien dommage. Parce que en fait, pour prendre le dernier point, il faut nécessairement avoir l'un des cinq premiers. Donc le risque, c'est qu'il y en ait un, l'une des factions adverses, qui arrive à choper le cinquième point et qui du coup puisse menacer le sixième point. Il y a peu de chance, hein, j'ai une très très grosse majorité de l'opinion publique qui est. C'est vrai que j'aimerais bien me sécuriser la Chine. Dès que j'aurai les cinq premiers points, je sais que je serai tranquille pour le sixième. Je ne risquerai pas de venir m'emmerder avec. Voilà. Et sinon, les États-Unis, fonctionnent bien. On n'a que des trucs qui sont dans le vert. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que quand même sur le long terme c'est assez positif. Donc on continue comme ça. Je me rends compte que je booste pas le. Je devrais peut-être me mettre aussi au militaire, hein, parce que, alors il faut savoir, le développement militaire, hein, ça permet d'augmenter le niveau, la valeur de technologie militaire. Plus la valeur de technologie militaire est élevée, plus on est costaud. Bien entendu, nos adversaires, alors normalement, les États-Unis sont
la faction qui est la plus solide en termes de technologie militaire au début. Le tout, c'est de ne pas se faire rattraper. Et il faut avoir conscience que les aliens sont de toute façon beaucoup plus élevés que nous. Mais plus on est élevé, moins les aliens seront une menace. Mais voilà. Donc je vais quand même recommencer à booster la technologie militaire, histoire de faire en sorte que ça ne s'arrête pas. C'est un peu moins bien pour le reste, mais il faut faire avec. Propulsion, j'en ai toujours besoin. Contrôle de mission, j'en ai toujours besoin. Je suis quand même assez limité. Voilà, et puis nos conseillers. Donc là, j'augmente la loyauté de je sais pas qui. De qui est-ce que j'augmente la loyauté ça va être de Dashus. Ouais, parce que c'est le seul dont je peux pas connaître la loyauté. Parce que j'ai que... Ah si, lui pourrait enquêter sur Dashus. J'ai moyen, mais il faut aussi, c'est moi la 9 en investigation. Donc non, c'est dans une autre partie que j'ai. Je me mélange entre mes différentes parties. Et ça doit être lui qui avait la loyauté la plus faible apparente. Bon, il faudrait que je refasse un petit check-up de mes différents niveaux de loyauté. Donc Brieux continue de booster, de conseiller les États-Unis. Hein. C'est son rôle principal. Avec ses stats en commandement pourri en administration et en sciences. Et là, oui, je faisais de la pub pour moi en Russie, hein, qui est sous contrôle de la résistance, qui sont a priori pas trop mes potes. Voilà. Et Dashus qui enquête sur les serviteurs. On est bon. Nouveau projet, unification du Maghreb, c'est pas du tout dans mes projets. Offering assistance. I think we had a mission allégeance, hop. Tant que j'aurais pas fait d'enquête. Ah, terminé réacteur à fission à cœur solide qui permettent de bloquer le propulseur Nerva et... D'accord, très bien. Ce sont de toute façon des choses dont j'ai besoin. Pile à combustible, je vais en avoir besoin tôt ou tard. Mais au tunnel, ça coûte 250. Ouais, ça coûte 250, ce sera quand même assez vite fait. Hop, on va aller là-dessus. Ah, j'ai pas refait le tour des... Alors, d'abord... Ah, là, je peux augmenter mon administration encore. Tac. Du coup, je peux prendre éventuellement... Toi, t'es Monsieur Persuasion. Mais... J'ai pas d'organisation qui permette de booster. Ni là, ni là. Ouais. Les bonus sont pas ouf. Très clairement, est-ce que... de toute façon, je garde mon influence. Juste éventuellement, s'il y en a qui coûtent juste des sous. Ça augmente les salaires mensuels. Investigation. Ouais, c'est pas hyper intéressant. Sécurité 2, bien pourri. Pour l'instant, mes conseillers ne risquent pas grand-chose, mais... La Ligue Arabe Unie pour l'Égypte, je n'en ai pas besoin. I have new information. Alors, la loyauté, eh ben, tu vas continuer d'enquêter sur lui. Voir si on ne peut pas le retourner. Toi, tu vas me faire un petit tour d'investigation. Public sentiment is increasingly with us. Hop, voilà, j'ai terminé ma production. Donc voilà, je me retrouve dans le positif. Pour la flotte, les ressources explosives, c'est moins dramatique qu'avant, et du coup, voilà, ça me coûte moins, mes habitats me coûtent moins, donc ça va me permettre d'engranger plus rapidement du boost. Donc c'est très très bien. Même si les ressources sur la Lune sont vraiment pas ouf, c'est quand même un petit coup de pouce pour les autres. Pour les autres pays, enfin pour le boost des autres... Ah, je vais y arriver, pour pouvoir s'installer sur Mars.
Maintenant, elle est trop. Sinon, tu vas me faire un petit tour d'enquête sur les différentes loyautés de mes conseillers, puisque j'ai plus la moindre idée de leur valeur. Offering support. I believe they'll stay Non. loyal to the cause. Tu vas continuer. Façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. We've got some intel on our target. Prepping for next mission. Ah, j'ai pas sa loyauté. Comment ça se fait? Organisation. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voler. I have new information. Alors, Brieux, Allwaiter de 16. Très bien. Et les piles à combustible, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je pourrais aller rechercher les différents laboratoires. Je sais que j'en aurai besoin, forcément, tôt ou tard. Donc, on va lancer ça. C'est pareil, c'est pas des gros projets. Là, ça va pour l'instant. Je tiens le cap sur toutes les recherches publiques. Contre-mesure électronique, ça pourra servir un jour ou l'autre. Ouais, on voit, hein, c'est, j'étais passé en dessous au-dessus des 50% juste avant. Donc, en face, il y a aussi du monde qui fait du lobbyisme. J'imagine la résistance, hein, qui doit faire en sorte de booster sa propre popularité. Là, j'ai une petite enquête à faire, sauf que toi, je veux que tu continues. Tac. J'aimerais connaître. Ah, il est un trait dangereux, lui. Faut faire gaffe. Des traits, cibles vivantes ou un truc comme ça. Bon, c'est quoi qui est dangereux dans ces traits? Tu vas continuer d'enquêter sur lui. Initiating surveillance. Citron, What's tu the vas me op? faire. Bah, tu vas aller On the way to the target site. explorer ça. Il n'y en a qu'un seul. Ouais, il n'y en a qu'un seul. Moi, j'aurais pu m'envoyer I will report when my Adriel. mission is complete. I will help them. Module d'habitat terminé sur Mars. De toute façon, je ne peux pas en faire grand-chose. Hein. 20,5, 20,9. Encore loin de pouvoir me construire une mine sur Mars. Ceci dit, attends, je vais voir parce que peut-être. Nothing unusual found. Ah zut. Peut-être que ça me coûte moins cher aussi maintenant, comme je gagne de la flotte. Confédération nigérienne, je m'en fiche un peu. Ça me coûte toujours 59,7. Oui, mais j'ai peut-être pas encore assez d'eau en stock pour pouvoir le construire. La nation chiite, je m'en Arcus remains fiche. unheard. Oh, putain. On recommence. Ça fait partie des choses qui m'agacent un peu. Je sais jamais. Ah si, voilà, construire dans l'espace, on voit, ça me coûte plus que 12,2 en boost. Parce que tout ce qui est flotte et métaux, eh bien, je peux les récupérer directement dans l'espace. Et donc, du coup, ça me demande beaucoup, beaucoup moins de boost. Ça me prend tout aussi longtemps. Mais voilà, c'est beaucoup mieux. Réacteur à fission, toc, toc, toc. Celui-là, je vais me le faire comme favori. Développer la fission spatiale. Alors. Laboratoire d'énergie, ben voilà, on va continuer sur la mission spatiale, sur la fission, pardon. Histoire de pouvoir avancer pour choper des moteurs intéressants. Alors, du coup, je vais sans doute lancer ma première mine pour Mars. Alors, je vais dans la section des habitats. Je vais sur les factions initiatives sur Mars.
Alors, qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent... Celle-ci, oui, c'est la moins intéressante, il me semble me souvenir. Là, j'ai beaucoup d'eau. Un peu de matériaux nobles. Matière fissile, celle-ci, je vais prendre ça. Celle-ci que je vais développer en premier. 16,7. Alors, je vois que ça me consomme tout, donc je vais attendre encore un peu plus. Je vais attendre de stocker un tout petit peu plus de matériaux nobles, de matériaux de base, de métaux de base, je vais y arriver. Puisque là, j'utiliserai tout. Donc, pour essayer de consommer le moins de boost possible, je vais attendre un tout petit peu encore. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Prepping for mission. Wrapping up here. Le marché des organisations a été actualisé. Alors. La société madisonienne, toujours celle-ci, toujours aussi intéressante, avec ses plus 2 en persuasion, que je vais... Elle coûte combien? 109? Ouais, là, je pense que je vais me laisser tenter quand même. En plus, les points de persuasion, ça augmente le cap de points de contrôle. Donc... je vais laisser de côté ça. Je suis en science, je suis relativement large. Hop, et je vais prendre la société madisonienne. Voilà, ce qui me fait gagner un petit peu plus par tour, par jour. Les autres, je vais attendre. Mais c'est très bien que j'ai pu la choper, celle-ci. Elle me permet en plus de faire défense des intérêts avec... un autre personnage. On ne pouvait pas le faire auparavant. Ready. Alors, Adriel, qu'est-ce que tu peux essayer de retourner? Ah, il y a lui, tu peux le faire quand même. Ah si, j'ai sa loyauté qui est égale à 12, d'accord. Mais j'ai assez peu de chances d'y parvenir quand même. Ça me ferait dépenser beaucoup d'influence pour peu de chances de succès. Donc, ben, on va pas le faire. l'idée était bonne, mais bon, tu vas aller booster la loyauté de madame, par exemple. Une loyauté de 20 précédemment. Dachus, lui, je l'ai bien boosté plusieurs tours. Citron, 14. Allez. Speak with them. Donc tu vas continuer tes petits tours d'enquête. Offering counsel. I think we had a breakthrough. We've got some intel on our target. Ben, ouais, c'est quand même assez correct. En théorie, je pourrais aussi me dire, je vais jusqu'à 25 et puis ensuite je m'en occupe plus trop. Oh, bah alors, j'arrive pas. 18,5. Ah, ça y est. Donc là, toi tu vas continuer. 53, c'est celle-ci que je voulais faire. Tac. Donc construire dans l'espace. Ça me coûte 6,6 de boost seulement. Donc parce que je ne dois envoyer que des matériaux fissiles, je pense. Et peut-être. Ça fait partie des trucs d'interface qui me chiffonnent un peu. C'est que voilà, on ne sait pas trop. Hop, je vais faire également un collecteur solaire, parce que j'en ai besoin. Donc ça restera long, hein, parce qu'il faut envoyer tous les explosifs depuis la Terre. Et Mars, bah, c'est loin. Il faut quand même plus d'une année pour y aller. Mais voilà, à partir du moment où j'aurai réussi à vraiment le lancer, bah, je sais que je pourrais en faire des choses. Toi, tu vas aller... Oula, il y a des formes de... Il y a des plantes à défoncer.
heading to the LZ. I'm here. Persuasion, tiens, il arrivera pas trop. Vol de projet. Ah, je pourrais arrêter. We'll bring them in. Machin. Si je l'arrête, ensuite ce sera plus facile de faire des opérations sur lui et puis ça emmerde les serviteurs pendant ce temps. Et emmerder les serviteurs, c'est toujours un bonheur. C'est quand même pas vraiment des postes. I believe they'll stay loyal to the cause. Hop. We've got the package. Ouais. Un petit succès. Alors quand un conseiller est arrêté, en fait typiquement bah, il bénéficie plus à sa faction pour tout ce qui est point de bord, il ne peut plus faire de mission et tous les bonus pour les points de contrôle par exemple sont neutralisés. C'est ouf. Faut que je mette plus de sous. Donc typiquement bah, voilà, ça donne un coup d'arrêt pendant plusieurs succès, pendant plusieurs saisons. Plusieurs tours entre guillemets. Donc c'est toujours bon à prendre. On va enquêter à Bakou. Ah, je peux pas si le conseiller ciblé est détenu. Dommage. Reporting in. Bon, je peux faire une petite prise de contrôle hostile, ce qui me coûtera pas cher. Même s'il a pas grand chose d'intéressant. Tac. C'est toujours ça de prix. Alors, tu vas m'enquêter bah, sur elle, voir un peu où est-ce qu'elle en est. Eyes on target. En loyauté. I will help them. Et avec ça, on sera. I think we had a breakthrough. On va arrêter sur elle. Tac. Ah, les patrouilleurs. Ça, je vais le faire. C'est pareil, c'est pas indispensable. Mais c'est les premiers vaisseaux. Ah non, c'est les. Si. Attends, c'est lequel? C'est les premiers ou c'est le deuxième? Oui, c'est, les deux, c'est les, le deuxième niveau de vaisseau. Donc c'est. Ce sera de toute façon important tôt ou tard. Asset acquired. Alors, qu'est-ce que je peux te voler? Bonus de science, énergie. Celui-ci est moins intéressant. Celui-ci est moins intéressant. 15 plus 3, celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Hop. Bon, clairement, c'est pas ouf ce qu'ils ont. Person of interest surveilled. 23 pour Citron, ça va, on est tranquille. Ah, ils l'ont libéré. Bon, très bien. Moi, je vais pouvoir refaire du vol de projet derrière. Qu'est-ce que je suis démoniaque. Yes, what we found. Sécuriser I'm here. Les États-Unis. Toi, tu vas t'en occuper. Making things safe for our people. Your orders. Alors. Ready for my mission. Dashus, tu vas aller voler des projets. Secret is safe from me.
Et toi, tu fais du vol de projet. Oh, j'ai des points d'opération, je peux en griller un peu. Ouais. La loyauté est un peu trop élevée. Je peux booster. Bon, je vais booster la loyauté de Brieux. Bon, ça, j'ai vraiment pas grand chose à faire avec lui. Si je peux faire de la pub. Je peux retourner faire de la pub en Russie. I will tell our story. Offering support. Protecting our interests. Période du jeu pour le Vietnam, je m'en fiche. Mission abort. Oh non, il s'est caché, le vilain. Mission abort. If some ancient race of brilliant gentle snakemen suddenly from the desert, they would have no rights, no protections. Any idiot with a rifle could turn a miracle into a pair. Nous fassons. Public opinion is moving in our direction. Hop. Alors, amélioration de gestion. Très bien. On va continuer toujours sur les labos. Lobbyisme stratégique. Bref. On va continuer sur les labos. Ah, en fait, à chaque fois, ils me font le même coup. Hein. C'est un peu pénible. C'est qu'ils me le piquent au dernier moment, quoi. Ils mettent tout... C'est moi qui fais le gros du boulot, et puis à la fin, ils mettent tout sur un projet. Donc en fait, il faut penser à vérifier très régulièrement. Histoire de ne pas se les faire piquer, entre guillemets. Pour pouvoir contrer les... ça, c'est très important. Cause commune, c'est vraiment très important. Ça, surtout aussi. Alors bon, là, je suis pas sur un projet où je veux faire des réunifications de pays. Pour l'instant, en tout cas. Je vais plutôt chercher les gros... les super pays, enfin les pays qui sont déjà très importants. Bon, ouais, mais là, il fait la même... Ah non. Ouais, ça va être limite. Hein. On est au coude à coude. Ready for my mission. Alors... Ouf. La vache. Bon, je sais bien qu'elle a que 5 en persuasion, mais... Making our case. Standing by. Toi, tu Ready for orders. Allez, me détruire. Ceci... tiens, je peux lancer une autre mine sur Mars. Toi, tu vas continuer... Alors, qu'est-ce que j'ai... Toi, c'est quoi ta loyauté? Alors, allons lancer une autre mine sur Mars. Celle où il y a le plus d'explosifs. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est elle. Hop, complexe minier. Ça me coûte 18,5. Et pile à fission. Qu'est-ce que j'ai fait une connerie. Je sens que j'ai fait une connerie. Ici, je me suis planté. J'ai fait un capteur solaire. Quel con. Donc là, on est sur Mars. Sur Mars, on est loin du Soleil. Donc, il y a deux façons d'approvisionner de l'énergie. Hein. C'est soit avec des panneaux solaires, soit avec des piles à fission, donc en fait des mini-centrales nucléaires. Et je me suis planté ici. Donc, c'est très très con. Du coup, bah, je vais devoir changer de braquet. C'est très très con parce que ça va retarder le côté opérationnel de mon 5 mars. Ça retarde d'un mois. Ouais, c'est très très con. Parce que là celui-ci se termine le 5 janvier et celui-ci le 4 février et celui-ci le 5 mars. Donc voilà, ceci dit, je peux l'annuler. Hein.
je peux pas, bon, tant pis, je le ferai, je le donne. C'est pas terrible ça, on peut pas annuler un projet en cours. Bon, je le ferai, bah, quand il sera terminé, je le ferai. Un peu boulet, c'est dommage. Juste à titre de comparaison hein, sur Noi 6, mon collecteur solaire me rapporte 10 d'énergie, hein, c'est ce que vous voyez ici. Si je vais sur Mars, ce collecteur solaire me rapporte 3 d'énergie. C'est beaucoup plus loin du Soleil. Et par contre, si vous êtes sur Mercure, les collecteurs solaires sont très efficaces. Parce que on est juste à côté. Est-ce que je peux rien m'acheter ici? La mafia, c'est très bien, mais j'ai pas de quoi la prendre. C'est très bien, moi. C'est même pas. C'est pas ouf. Mexique, j'y suis pas. Un 3 étoiles qui apporte que plus un d'espionnage, mais quelle merde! Et qui en plus te fait pas gagner de sous. Oh là là, mon dieu. Russie, celui-ci est très bien. La Russie, il est très très bien. Il coûte un peu de sous. Mais, 250, ouais, dommage, j'ai pas l'influence qui va bien. Parce que pour le. Comparons. Comparons les deux là. Putain. Alors là, il faut être criminel. Là, il faut être gouvernemental. Il faut avoir le trait qui va bien. Mais regardez les gains. De l'un et les gains de l'autre. Et les deux coûtent 3 étoiles, donc les deux, c'est juste n'importe quoi. La Drangheta, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est pas terrible non plus. La Camorra, toutes les organisations criminelles y passent. Là aussi, les Sumiyoshi Kai. Au Japon, Jet Propulsion Laboratory est très bien aussi, il me semble me souvenir. Plusieurs de contrôle de mission, ouais, celui-là il est vraiment bien aussi. Coûte 150 d'influence. Je peux pas me l'acheter, c'est bien dommage. Et cela, ouais. Comparons les deux. Non mais n'importe quoi. Des fois c'est pas hyper équilibré les organisations, il y a encore un peu de boulot à faire. Est-ce que je peux pas augmenter? Si. Augmentons l'administration, toi tu peux pas encore, toi tu peux. Hop, voilà. Allez, bientôt le cinquième point en Chine. Offering counsel. Surveillance complete. Bientôt. Ouh, ah ouais. Lui, c'est pas terrible pour le coup avec ses 8 d'influence, de loyauté. Mais le problème, c'est que j'ai personne qui peut booster la loyauté. À part lui. Manipulation en celle d'atome. Alors, diamantoïde informatique quantique, c'est ça que je vais chercher. C'est l'informatique quantique. Destination les planètes proches. Utilisation des ressources in situ, les astéroïdes. La fission nucléaire. Qui sont très bien aussi. Ce qui est très bien aussi. Propulsion électromagnétique. Ça c'est quoi? C'est le Vasimir. Un moteur qui est lent mais qui permet de faire de l'exploration spatiale. Les lasers, alors ça je peux aller chercher le niveau 2 dans les habitats de les camps, c'est les habitats terrestres si on peut dire, c'est pas les habitats dans l'espace. Militarisation de l'espace, ce sera utile tôt ou tard. Mais on va aller chercher l'informatique quantique, puisque c'est ce qui permet d'aller chercher le projet qui débloque le sixième conseiller.
Hop. Là, forcément, ils sont un peu devant, mais c'est pas grave pour l'instant. Public sentiment is increasingly with us. The people will come to our side. Ils sont chauds quand même. Hein. J'ai du mal à rester au-dessus de 50%. Bon, c'est pas comme si j'en avais vraiment besoin. Mais... Ok, ça s'est détruit. Très bien. Une base sur Europe. Eh ben, j'y peux pas grand-chose. Bonus de 3, mission de répression. Ouais. Hop, voilà, bon, ils se sont installés sur Europe, compris. Je pense que nous avons une chance de voler le projet propulseur Nerva, la fonction de l'académie. Ouais. Sauf que je suis pas sûr que... Non, j'ai pas de vol de projet, donc je vois pas connaître personne de l'académie. Et en fait, les conseillers des factions ennemies passent leur temps, je pense, à utiliser cachette terrestre, ce que je fais très très peu. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, mais en fait, on sait quelles sont les factions qui nous connaissent ici. Donc, je vois que Dashus, il n'est connu que par deux factions, les serviteurs et le protectorat. Par contre, bah, très souvent, en fait, ils sont connus par les six autres factions, parce que je les planque presque jamais. Alors, ce qui, dans le cas, par exemple, d'Adriel, n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il a 2 de sécurité et 8 de loyauté, ce qui est pas ouf. Donc je devrais peut-être le faire un peu plus souvent, d'ailleurs. Ce qui se passe, en fait, ça dépend de la caractéristique espionnage. C'est pour ça que Dashus, on le voit peu, parce que bah, comme c'est lui qui a le plus en espionnage, il est difficile à être... c'est difficile de le voir. Alors, qui est-ce qui essaie de faire des cachettes en Chine ? We'll see what they're up to. Standing by for them. Citron. Ouais, bah tu vas continuer de. Initiating surveillance. Regardez qui est là. Oh, bah il est parti. Offering assistance. Going into hiding. Voilà, et donc là, si je vais sur Adriel, hein, hop, plus personne ne l'a vu. Laboratoire de sciences militaires. Très bien. Alors, cause commune augmente la capacité de gestion de 10 points. Need. C'est bon, j'ai repris la tête ici. Person of interest surveilled. Les serviteurs évangélistes. Et ben, on va continuer le. Surveillance complete. Hop. Un seul dessus, ça suffira, puisqu'il faut avoir trois missions de reconnaissance successives. Pour ah bah d'accord, c'est lui. Our cause is unjustified to them. Elle a du mal, elle. Hein. Je vais pouvoir relancer une autre mine. Alors, les scientifiques qui travaillent à bord de la station Le Cygne ont fait une découverte inattendue. Les laboratoires spatiaux de pointe disponibles à bord de la station Le Cygne, combinés à la solitude et à l'intimité conférées par sa distance et son indépendance relative par rapport à la Terre, ont permis à ces chercheurs de repousser encore les limites de la science. En tant que propriétaire de station Le Cygne, nous avons naturellement le privilège d'annoncer au monde la nature de ces nouvelles découvertes et de décider comment elles seront utilisées pour le bien de l'humanité. Alors, on gagne plein de science et ça permet de booster le savoir et l'opinion publique de l'initiative dans le monde entier. Là, ça me permet de booster programme spatial, propulsion, contrôle de mission. Rendement non minier, non terrestre, augmente de 5%. Ça, c'est quand même fort. Parce que ça va tout me booster, en fait. Et c'est manifestement sans fin. Vaisseau construit 5% plus rapidement. Ça, c'est bien aussi. Ils sont tous bien, je les veux tous.
C'est top, putain, comme event, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Sur le long terme, qu'est-ce qui sera le plus utile? Peut-être pas celui-ci. Celui-ci à court terme, ça peut être pas mal. Mais à long terme, peut-être pas. Celui-ci, alors, donc là, pour l'instant, c'est ce qui est important. C'est le boost, la propulsion. Un peu plus tard, ce qui sera important, ce sera le contrôle de mission. Le savoir, ça permet d'augmenter la démocratie, donc ça me permettrait d'aller plus vite en Chine. Pas compliqué. Tiens, juste. Allez, je vais prendre le premier. Juste pour vérification. Donc là, ma popularité, c'est 20% dans le monde. Et quand j'aurai fait ça, ça passe à 24%, quand même. Bon. Magasin, ce sera important. Ouais, défense de. Standing by. Alors, vol de projet. Qu'est-ce que je peux aller voler à mes amis serviteurs? Non, alors toi, tu vas me faire du vol de projet sur machin truc. Je vais en faire deux sur deux. 32 points. 32 points d'opération, c'est un peu cher. Mais bon, un vol de projet, c'est sympa aussi. Standing by. Alors, non, tu vas me faire. Ah! Tapping their knowledge. Je vais y arriver. Ready to go. Il va faire plutôt sur l'académie. Tac. Adriel. Je vais pas tout de suite quand même. Un point. Le dernier point, il coûte combien? Il coûte 29. 29. Donc là, avec. J'ai un déficit de 24. Sauf que je crois que c'est pas linéaire. Ouais, je vais encore attendre. Je vais encore attendre de booster un peu mon administration. C'est administration, commandement, persuasion, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Lui, je le prendrai bien. C'est combien? C'est 105, 250, vraiment cher. Je pourrais prendre Jet Propulsion Laboratory. Avec plus 15% de science de l'espace. Quand même vraiment important sur le long terme. On va mettre ça sur Brieux. Il faudrait que je me libère 3 points. Je peux me libérer celui-ci, celui-ci. Et l'un de ces deux-là, c'est de l'information. C'est les mêmes. Mon celui-ci est moins bien.
Ou est-ce que j'essaye d'aller jusqu'au 250? Gouvernement, qu'est-ce que j'ai en gouvernement? J'ai Ita. Et j'ai Dachus. Donc ça lui ferait plus 3 en espionnage. Peut-être essayer quand même de garder les 250 et de le mettre sur Dachus. J'en suis loin, mais... Ou le JPL. Grosse hésitation. Tant de choix à faire. Tant de choix. Toi, continue de booster. Continue de booster ma popularité en Chine. Allez, je vais aller chercher le JPL dans l'immédiat. Parce que je me dis que ça, tu peux le ranger et celui-ci aussi. Parce que je me dis que quelqu'un d'autre est susceptible de le prendre avant. Parce que bah il est plus facile à prendre, il coûte moins cher. Et que celui-ci, bah personne va le prendre, j'espère. Ça veut pas dire qu'il sera tout le temps disponible sur la liste, hein, toutes les organisations, elles finissent par disparaître, puis revenir. Bien. Ah merde. Non. Le bad. Ah le bad. Ah, putain. Ça c'est pas bon du tout. Échec critique. Il est moche cet échec critique. Parce que... Donc bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, je bénéficie plus de ces points d'administration en particulier, enfin les points d'administration, commandement et persuasion, pour ma limite. Du coup, je me retrouve de nouveau dans le rouge sévère pendant un certain temps. Et le seul qui puisse faire des missions de libération, eh ben, c'est lui. Et non, merde. Oh, et elle aussi, elle se plante. Oh, je suis deg. Bon, je vais lancer une troisième station minière sur Mars et je vais arrêter l'épisode. Je vais le lancer ici. Tac. 6,6. J'ai largement ce qu'il me faut. Et pile à fission. Hop. Scrognonium, est-ce que je peux même peut-être lancer l'autre ici? Non, j'ai pas assez. J'ai pas assez de métal. Ouais. Bien, et eh ben j'arrête l'épisode ici sur ce gros échec. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à intégrer l'équipe. Il me reste toujours des places. Brieux et Ida, qui peuvent être nommés, qui peuvent être refacialisés, scientifiques et exécutifs. N'hésitez pas à me donner votre nom dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!